Salut, c'est Antoine. Chanter avec le diaphragme. On va parler de ce sujet tout de suite, mais juste avant, n'oublie pas de cliquer juste en dessous. Tu as une formation offerte, 30 jours de cours pour apprendre à bien chanter. Tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et chanteurs qui se sont inscrits à cette formation et qui en sont plutôt très satisfaits. Alors, le diaphragme, j'ai parlé de ce sujet déjà dans un précédent podcast. Le truc, c'est qu'en fait, le diaphragme, je dois te l'avouer, ne te sert absolument pas à chanter. Boum, musique dramatique, effets spéciaux. Je suis désolé de dire ça, mais le diaphragme ne te sert absolument pas à chanter et je vais t'expliquer en détail pourquoi ça sert à rien d'essayer de sentir ton diaphragme pour chanter. Il faut absolument pas se concentrer là-dessus. Alors, la première chose déjà, il est où ce diaphragme? On va le voir en image juste après, mais si tu places ici tes mains juste sous le sternum, ici là, dans la partie molle, tu vas sentir la ligne des côtes, d'accord? Et si tu suis cette ligne des côtes jusque derrière, en fait ton diaphragme est fixé ici sur tout ce pourtour. Il te coupe comme ça le tronc en deux, d'accord? Le diaphragme, c'est un muscle qui sert à inspirer. C'est un muscle inspirateur. Les sens de contraction de ces fibres sont de telle manière que lorsqu'il travaille, lorsqu'il se contracte, il inspire. Et jusqu'à preuve du contraire, lorsque tu inspires, tu ne chantes pas. C'est pour ça que je te dis qu'il ne t'aide pas pour chanter. Une fois qu'il a terminé d'inspirer, eh bien, comme tout muscle qui a travaillé, il va vouloir revenir à une position de repos tout simplement pour se reposer. Hein, parce que si par exemple, toi, tu faisais des pompes, tu ne pourrais pas rester éternellement comme ça. À un moment, tu vas devoir reposer tes muscles. Eh bien, le diaphragme, c'est pareil. Après chaque inspiration, il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir à sa position d'origine pour se reposer. À ce moment-là, l'air sort de tes poumons. C'est à ce moment-là également que tu chantes. Donc, le diaphragme est complètement inactif en fait au moment où tu chantes. C'est pour ça que je te dis encore qu'effectivement, il ne te sert à rien. Alors, il y a assez peu d'innervation du diaphragme. Donc, théoriquement, on pourrait sentir quelque chose, mais franchement, ça sert à rien puisque au moment où tu chantes, il ne travaille plus du tout. Il revient à sa position de repos. Même le diaphragme va être un petit peu ton ennemi parce que lui, son but, c'est juste de revenir à sa position de repos et donc de chasser l'air finalement le plus vite possible pour pouvoir récupérer de l'air neuf chargé d'oxygène. Mais toi, lorsque tu veux chanter, tu ne veux absolument pas qu'au bout de 2 secondes, tu n'aies plus de son. Non, donc tu vas te voir te battre finalement contre ton diaphragme. Tu vas devoir le contrarier un petit peu avec d'autres muscles et finalement, ce diaphragme dont on pouvait penser qu'il nous aidait à chanter, il ne nous aide pas et en plus, c'est même l'inverse, il va plutôt nous pénaliser. Donc, on va essayer de se battre un petit peu contre lui. Alors, je vais te montrer tout de suite en image comment ça fonctionne exactement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tourner ça à notre avantage pour pouvoir chanter plus facilement. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les aider pour mieux chanter ou pour comprendre des choses, fais-le et surtout mets un petit pouce si tu souhaites m'encourager à publier d'autres vidéos. Passons tout de suite derrière l'écran pour voir comment fonctionne ce sacré diaphragme. Alors, on va utiliser cette animation 3D réalisée par l'Université de Lyon 1. Donc, le diaphragme est fixé là, vous avez vu, le long des côtes. Là, c'est ce que je vous expliquais. On a ici la colonne vertébrale, donc jusqu'à l'arrière. Ça fait comme ça une sorte de deux coupoles qui séparent finalement votre tronc du reste des organes. On voit les points de fixation jusque aux épines ici de la colonne vertébrale. Voilà, là on est vu du dessus et on voit bien les coupoles. Vous avez ici une coupole un peu plus basse parce qu'il y a le cœur qui repose dessus, notamment. Alors, inspiration, c'est qu'on fait rentrer de l'air, d'accord? Expiration, on veut faire sortir de l'air. Donc à l'inspiration, c'est ce que je vous disais, le diaphragme va descendre, il se contracte en fait, vous voyez? Et à l'expiration, il va remonter. Donc à l'inspiration, il se détend, on relâche bien le ventre. Voilà, et on observe bien ce mouvement inspiration et descend, expiration, le diaphragme remonte. Comme tu as pu le voir, ce n'est finalement absolument pas essentiel du tout de se préoccuper de son diaphragme pour chanter. On va s'appliquer par contre une petite règle, c'est qu'il faut que ton diaphragme ait de la place pour
descendre comme nous venons de le voir dans la vidéo. Et pour faire ça, on va tout simplement relâcher le ventre au moment où on inspire. Ça laissera la place aux organes, aux intestins de se tasser en bas et ça laissera de la place à ton diaphragme pour laisser rentrer l'air dans les poumons. On va aujourd'hui se concentrer sur les épaules parce que si par exemple tu ne laisses pas ton diaphragme travailler pour rentrer l'air, tu peux avoir envie d'augmenter le volume de tes poumons en faisant ça, en montant les épaules, d'accord? Et pareil, quand tu vas chanter ou ressortir le son, tu peux aussi avoir envie de t'appuyer comme ça sur les épaules, d'accord? Mais ça, ce que ça va faire, c'est que ton diaphragme est ici, tes épaules sont au-dessus, donc ce sont les deux cavités finalement qui délimitent ton volume, ta réserve d'air. Et donc, faire ceci au moment de la respiration va plutôt te prendre de l'énergie parce que tu vas te mettre à contracter tout un tas de muscles, alors qu'il vaut mieux à ce moment-là relâcher ton ventre et laisser faire le diaphragme puisque là, c'est à lui de travailler pour laisser rentrer l'air pendant l'inspiration. Et pendant l'expiration, on ne va pas, alors que ton diaphragme, il a déjà envie lui de chasser l'air, on ne va pas lui faciliter le travail en faisant ça, puisqu'en faisant ça, on va réduire, c'est pareil, notre ballon de baudruche là, et l'air va sortir beaucoup plus vite. Donc ce que je te propose comme un démarrage pour travailler là-dessus, c'est vraiment de garder des épaules le plus relax possible, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Je vais vraiment essayer de garder cette ligne d'épaule là. C'est-à-dire que je voudrais, le geste si tu veux qu'on souhaite pas trop, ça serait, tu vois, parce que tu vas respirer. Puis après, tu vas t'appuyer comme ça. Ça risque en plus de mettre un à-coup sur le démarrage de ton son. Donc nous, on va essayer de faire. Et je garde vraiment cette ligne d'épaule. Elle ne bouge pas, elle n'est pas engagée dans ce mouvement de respiration et de chant. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est vraiment important que tu te sortes cette idée de la tête et que tu cherches. Je sais qu'il y a des fois des gens qui m'écrivent en disant « Mais mon diaphragme, il est bloqué, je ne sais pas où il est. Qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. » On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Il faut surtout mettre le reste en place. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si tu veux en rater aucune, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste ici. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.